Waouh, il est rouge. Oh mais mec. Je me suis lancé dans un combat impossible, je crois. J'ai entendu le bruit de la caméra, ça y est, je deviens fou. Yo les gars, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va tester le plus petit skate que j'ai trouvé sur internet. Parce qu'ils ont fait ça sur Berix et je suis jaloux, ça avait l'air trop drôle. Du coup, c'est un petit pack opening, quoi, entre copains. Je suis tout le temps content d'ouvrir des trucs, alors que c'est moi qui me fais des cadeaux. Oh là. Putain, tiens, un gosse à Noël. Waouh, il est rouge. Mec, il est minuscule. Ah oui, non, d'accord. Mec, c'est incroyable, c'est la taille parfaite. Non mais arrête. Non. Regarde la différence. Ce skate, c'est un 6-5. Je crois qu'en largeur, c'est genre 5 cm moins large qu'une board normale. Et en longueur, c'est 15 cm moins long. C'est pas mal. Ouais, 15 cm, c'est pas mal. C'est respectable. Moi, j'y suis pour, hein. Du coup, let's go. Je me rends compte que ça va être plus dur à skater que prévu. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un petit pouce bleu. Ça soutient à mort et ça fait plaisir. Et nous, on est parti pour faire des grandes bêtises là aujourd'hui. Regarde la taille de mes pieds par rapport à la board. C'est une foutue allumette le skate, mec. Déjà elle va casser, c'est sûr, pendant la vidéo. Qu'est-ce qu'on fait? On fait du flat un peu pour commencer. Bon, ça va. Il y a des boards plus petites que ça sur internet. Mais c'est genre vraiment des jouets. Là c'était le plus petit skate que je pouvais trouver. Ouais, avec des vraies couches de bois et tout, genre... C'est une vraie planche, des vrais trucs, vraies roues. Juste c'est très petit. C'est très moche. Oh là là. Mec, en fait, tes pieds ils sont bien placés, mais vu que c'est plus petit, bah faut que tu resserres les jambes. Je suis pas du tout à l'aise. Genre j'ai zéro agilité sur le skate. Resserre les pieds quand tu plaques. Ah voilà. C'est impossible à skater. Merde. Quoi, t'as cassé? Oh là. Ah oui, il est tout boudiné. Bah, super le skate. Je suis déçu un peu. Au bout de 5 minutes. Bon, continue, on verra bah bien. Oui. C'est hyper dur, mais ça marche. Oh, il était beau. Tu sais que là, pour faire tous les tricks, je mets genre 5% de puissance. Faut que j'arrive à remettre la gomme comme il faut. Là, c'est bon. La gomme, elle est revenue bien. On change de spot, on en fait un peu plus chaud. Table à manuel. Pour garder l'équilibre avec ça, ça va être très dur. Allez, voilà. Ça marche bien, en fait. Oh, j'y ai cru. C'est à la fois hyper bizarre et à la fois trop facile. Tu vas plus savoir ce qui était qu'un skate normal après. Déjà que... Propre, hein. Je vais faire l'inverse, je vais faire flip nos wheelings. C'est pas parce que c'est petit que ça fait moins mal, hein. J'ai l'impression qu'il y a que les skateurs qui connaissent cette douleur. De la bord dans le tibia. Ouais, c'est horrible. C'est tellement dur à skater, mec. Wow. Eh, en vrai, je vais pas mentir, j'ai touché un peu sur le nozzling. C'est pour ça que je vais refaire flip nozzling, nolly flip. Mais tu sais que rien que ça, c'est hyper chaud. J'ai tout qu'à toucher. Bon. Je fais du skate avec un ustensile pour enfant. Et j'y arrive même pas. Mec, c'est trop dur. Ah, bien joué. C'est impossible. Tu peux pas bien viser pour remettre tes pieds sur la planche. C'est un skate quand tu fais du 31, ça. Même pas, je pense. Non. Ah, je m'étais tellement concentré pour y arriver. Tu l'as vu, le petit pied arrière, comme ça? Oui. Ah, je suis dégoûté. Double flip, après je le fais. Bah, en vrai... Oublie, oublie. Tu crois que je vais m'avouer vaincu comme ça? Parce que j'ai dit quelque chose, même. Tu l'as pensé très fort. Oh. Non mec, j'allais dire c'est fou. Et à la place tu dis quoi? C'est nul. J'ai tellement cru les deux derniers essais là. La dernière fois j'ai voulu montrer que mon écran de téléphone il était cassé. J'ai fait un screen pour envoyer à un pote. Big brain. T'as vraiment fait ça? Ouais. Ah ok. Oh. Il est sorti de derrière les fagots. Ouh. Ça a flippé ou pas? Il y a eu un flip? Non. T'es sûr de toi? Bah, tu mettras un ralenti. Hein. Oh. J'arrive à tout sauf ce qui est prévu. Les tricks en manual, c'est vraiment le truc le plus dur. Je pense que quand t'es fort en manual, t'es fort en skate, genre. Pardon, je suis sûr qu'il y avait un flip, j'ai vu du rouge.
Y a pas de flip. Moi j'en ai vu un. Ça veut rien dire. Après on va aller faire du rail. Oula. Si je l'envoie comme ça et que je le prends dans mon tibia, ma jambe elle tombe. Et du coup j'allais dire, oh ça fait beaucoup de chevites. 900 chevites. Ouais ouais j'ai compris. La prochaine fois je m'abstiens, ça marche. Faut vraiment que je continue le tricks là. Arrête de t'énerver hein. Je m'énerve pas. Si. Ouais et... Je vais y arriver. Là mec c'était pas loin hein. Arrête. Oh hey, c'est bon. Tout était bien. Oui. C'est ça le pire. Je n'ai même pas de raison de me plaindre. J'ai fait boardside sur la flat bar. Est-ce qu'on commence direct par des backflips et tout? Tu peux hein. Fais un petit board descente en partant quand même. Putain ça y va bien. Tu sais que là il y a moyen de faire des vrais tricks en rail. Mais mec, tu fais des petits trucs comme ça, tu préviens même pas genre. Tu vois où je vais en venir là? Ça va être fou mec, ouais. C'est possible, c'est sûr. C'est tellement bizarre. Ah bah ça marche hein. Mais faut réussir à viser avec la taille du tail quoi. C'est tellement minuscule mec. On passe au tricks plus dur. C'était quoi le plus dur? 2-7 lip. Je me suis peut-être emporté sur 2-7 lip. Non je pense que tu l'as. Si je me fais mal c'est ta faute. Mais c'est sûr que ça passe. Pour moi je pense que tu peux le faire. Parce que là t'as fait exprès de louper. Mais j'ai pas fait exprès. Il est content. Voilà tu vois c'est possible. C'est fou mec. On dirait un imbécile au bout. Oui. Et bah moi je suis content. Bah moi j'ai arrêté un bus avec ma tête. T'es pas cool. Oui bah oui. Tu penses que c'est l'heure du coup de nollie flip? Oh, le bruit était bizarre. Ça bloque, le truc il est trop petit. Ah c'est pour ça, c'est les roues qui touchent. Mec ça va passer c'est sûr. Non je pense oui. Regarde la tête du truc. La planche elle est en l'air. Oh. Mais c'est même pas si dur, c'est ça qui me choque. Parce que oh. Ça se voit que je suis calé en crook non? Oh bah c'est bon. Il était pas beau. Bah c'est pas grave. Je le refais. Oh. T'as disparu de la cam. A chaque fois je fais ce qu'on appelle le trick de trop. Il est pas nécessaire. Mais tu fais quand même. Et je tombe. Oh. Oh bah ça c'est couillon ça. Qu'est-ce que... Pourquoi je fais ça? Le trick de trop. Mec il était bien. L'heure est grave. Pas tant que ça. Faut trouver un trick plus dur que ça pour finir la vidéo. J'essaie de faire tourner la planche au max. On voit ce qui se passe. Et ça fera un truc bien à la fin. Oui. Si tu replagues un truc comme ça c'est fou hein. Je vais le faire. Tu zippes pas s'il te plaît. Ça va marcher, je te jure ça va marcher. Oh. J'étais tellement proche. Oh mais mec. Je sais même plus combien il y a de tours. Je suis en train de faire 900 double flip. Et ça paraît normal à tout le monde dans le skatepark. C'est normal pour vous? Oui. J'ai failli me briser la cheville. Ouais, t'as pas de compète là. Ouais, mais ça fait chier quand même. Oh putain. Mec, ça fait deux fois de suite. J'ai envie de pleurer. Je sais pas si je dois y croire ou si je dois dire vas-y, arrête tes bêtises là. Oh, je vais te fumer. Je suis presque content. Ça compte pas. Je peux pas accepter ça. Oh, tu zippes pas, s'il te plaît. Non. Pourquoi? Tu vois que j'ai pas de chance. Je suis deg. Je suis à ça d'être heureux. Mec là c'était fou. C'est humiliant. Ça fait combien de temps que je le replaque? C'est tellement inattendu quand tu le replaques que tu peux pas être prêt tu vois. J'ai pas envie d'arrêter quand c'est comme ça. C'est le dernier. Il en peut plus. Dernier. Vas-y, vas-y. J'en peux plus. Oui. Hop. Ils tiennent la main. J'en peux plus. Si c'est ça, tu reviens demain ou c'est... Mais je sais pas comment je peux y arriver en fait. Je me suis lancé dans un combat impossible, je crois. Coup de chance, hein. Mais ça existe pas la chance, tu m'énerves.
Dernier parce qu'on sait jamais. Après le dernier, faut un dernier. Ça avait tourné parfait. Mec, je suis au bout du rouleau là. C'est de l'acharnement. Dernier try. Ça va pas tourner. À demain. Je vais mal dormir, j'en peux plus. T'as dit à demain. Hein.